Pour soustraire deux nombres décimaux, par exemple 886,2 moins 29,75, comme pour l'addition, j'identifie le chiffre des unités. Dans 886,2, le chiffre des unités, c'est 6, et dans 29,75, c'est 9. Nous allons maintenant pouvoir poser la soustraction en faisant bien attention d'aligner ensemble les unités, les dizaines, les centaines, et dans la partie décimale, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, s'il y en a. Donc j'ai placé le U pour les unités, et je vais pouvoir commencer en plaçant 886,2. Et en dessous, 29,75. Comme pour l'addition, dans la soustraction, les virgules vont être alignées. Je dois donc aussi la mettre dans les résultats. Dernière chose à faire, je vais combler ici le vide par un zéro. Mon calcul est prêt à être fait. Comme pour l'addition, nous allons commencer par la colonne la plus à droite, ici les centièmes. 0 moins 5, je ne peux pas. Je vais donc ajouter un report en haut et en bas. 10 moins 5, maintenant je peux. Ça fait 5. Passons au dixième. 2 moins 8, je ne peux pas. Je vais donc ajouter aussi un report en haut et en bas. 12 moins 8, ça fait 4. Je peux passer aux unités. 6 moins 10, je ne peux toujours pas. Donc un report en haut, un report en bas. 16 moins 10, ça fait 6. 8 moins 3, ça fait 5. Et finalement, 8 moins 0, ça fait 8. Le résultat du calcul, c'est donc 856,45. Deuxième exemple, 25 moins 1,312. Comme précédemment, je cherche le chiffre des unités. Pour 25, le chiffre des unités, c'est 5. Et pour 1,312, c'est 1. Je vais pouvoir placer mes nombres dans le calcul, en commençant par les unités toujours. Donc 25 et 1,312. Les unités sont bien alignées, les dizaines aussi, les dixièmes, les centièmes et les millièmes également. Les virgules devant être alignées, je vais en ajouter une à 25 et une au résultat. Et pour combler ici le vide, je vais mettre des zéros. Le calcul est prêt à être posé. Je peux donc commencer. On va comme avant commencer par la colonne la plus à droite, celle des millièmes. Je vais donc faire 0 moins 2. Je ne peux pas retirer 2 quand j'ai 0. J'ajoute donc un report en haut et en bas. 10 moins 2, ça fait 8. On passe au centième. 0 moins 2, je ne peux pas. Je vais donc ajouter un report en haut, un report en bas. 10 moins 2, ça fait 8 aussi. Je passe au dixième. 0 moins 4, je ne peux pas. Je vais encore ajouter des reports en haut et en bas. 10 moins 4, ça fait 6. Maintenant, dans les unités, 5 moins 2, ça fait 3. Et dans les dizaines, 2 moins 0, ça fait 2. J'ai le résultat de mon calcul, 23,688.